Bonjour, ici Saint-Aude de Zeniad sur le personnage de Leonard 27, présentant avec la guide Woody Hunter, la reine d'Achille. Donc nous allons commencer par le magasin des talents. Il vous faut des sauts. Des badges de duelliste, c'est avec ça qu'on gagne. Vous pouvez choisir entre des sorts, donc là c'est ligne, des zones, spécial, par perso. Donc on peut les stacker jusqu'à, il me semble, 5-6 fois le sort. Donc juste il suffit d'acheter des parchemins et quand vous avez le nombre de badges, c'est dessus. Donc nous allons commencer. Voilà, comme vous pouvez voir. Vous pouvez aussi acheter des potions. Moi, je trouve que c'est... Je trouve pas ça intéressant de jouer avec des potions, donc... Vous avez un temps aussi de cooldown. Vous gagnez aussi des récompenses. Parce qu'on a pu voir des badges de bronze, on a aussi des badges d'or, des bijoux de famille, et tout ça a été fait aussi un petit tutoriel par Greg, très bien fait, très bien expliqué. Je vous invite à aller voir sur le forum R2M pour vous renseigner un peu plus sur cet événement. Donc cet événement est quand même assez intéressant dans le sens que les bijoux de famille ne peut savoir que si on fait cet événement, donc gratuitement, ou avec les jetons d'événement par semaine. Donc, c'est intéressant de le faire quand même. Donc, voilà, vous voyez, je suis mort. J'ai pu récupérer quelques badges, donc je vais pouvoir passer mon sort niveau 3. Donc ah oui, n'oubliez pas de le remettre dans votre barre aussi, parce que si c'est pas compté, ça compte pas automatiquement. Oh, on m'a piqué mon cul. Quand même peut-être intéressant comme event, mais il me semble que ça rapporte pas beaucoup de points d'honneur, donc il faut vraiment enchaîner les kills. Et bon, plus il y a de joueurs, mieux je pense que l'event est mieux, plus il y a de joueurs. Bon, après là c'était un petit test pour vous montrer quand même l'event en lui-même. Ça fait un petit peu bug. Plus il y a de monde avec l'Hesperion et tout, peut-être que si je cachais les joueurs. Mais bon, le principe est de voir les joueurs, donc jouer avec les marques, c'est assez difficile dans le sens que de jouer avec les marques, c'est...
que vous avez quand même 7 secondes de fatigue pour vous empêcher d'aller tout le temps lent. Je connais pas vraiment tous les sorts. On va essayer d'en tester. Je crois que ma touche 2 ne marche plus, j'avais oublié de remettre le sort. Très dur, comme vous pouvez voir, de faire du délire, je connais pas vraiment tout. Donc assez technique. Si vous n'avez pas de chance en plus, vous gagnez pas forcément de. Vous n'avez pas forcément assez de chance sur. Voilà, donc on va essayer de faire au moins un kill quand même, ce serait pas mal. Donc ça commence à devenir très très chaud, on prend vraiment masse de dégâts. C'est vraiment très très chaud. Très dur. C'est pas un niveau de 5.
qu'il y a quand même une assez grande technique de... pour le faire. Oh, Bill! Ça, ce sera dit, redit, revu, revu. Tricheur! Là pour l'instant on voit le total de points qu'on peut regarder tout le temps. Donc 23 pour arriver à 250. Pas très sûr. Voilà, je vous présente la reine d'Achille en coopération avec la ville de Beauty Hunter, Diluril, Maréchal. Merci à eux d'être venus participer à cet événement. Au revoir.